alright, alright. Yeah, okay, okay. Bring around a rosy, pockets full like OD. I can move just how I move, cause don't nobody know me. Low key, still do more numbers than your fate. You can hate, but you can't say that I've been missing any plays. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2, on est de retour avec un camion. Voilà, ça faisait longtemps, j'espère que ça vous fait kiffer. Donc petite vidéo différente que les tests de voiture, pour la simple et bonne raison que je me suis customisé un petit DAF XF de 2021 qui fait plaisir. Couleur rose, super stylé et adapté. Vous allez comprendre, pour des chemins un petit peu chaotiques, forcément, puisqu'aujourd'hui nous sommes de retour à la Joséphine. Nous sommes de retour à la Joséphine pour faire la route de la mort en sens inverse avec une remorque, comme vous me l'aviez suggéré. Évidemment, ça fait plaisir. Donc on a tout ce qu'il faut. J'ai customisé le véhicule comme il faut pour le terrain. Je peux baisser l'essieu arrière, c'est comme ça qu'on dit si je dis pas de bêtises. Je vais pas faire le connaisseur. On va transporter aujourd'hui des poires. On va aller récupérer notre remorque. Le petit intérieur du camion que je me suis amusé à recustomiser. Alors, vous le savez, j'ai plein de vidéos à l'avance, donc attention à ce que je vais dire. Mais regardez la chaîne de L7C Fox juste ici, parce que je pense qu'en théorie, au moment où cette vidéo que vous voyez là sortira, je pense que L7C Fox sera de retour, ou quasiment de retour. Hop là, pas mal ça. Hop. Il sera de retour ou à peu près. En tout cas, il vous a donné signe de vie, je pense, 2 semaines avant que cette vidéo sortira. J'ai beaucoup d'avance dans les vidéos. Vous comprenez qu'au moment où cette vidéo sort, je suis pas chez moi là. Je suis à Nantes. Donc voilà, on est prêt en tout cas. Pareil, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram justement. Voilà, mcolooff, c'est en description. Le Instagram, vous aurez plein de belles photos de moi sur la côte ouest. Donc voilà, on est là, on est prêt. On part du coup de l'entreprise dans le jardin à la Joséphine. On transporte des poires et on va arriver. On va faire d'ailleurs de la belle route hein, si on y arrive. On va aller jusqu'à Jean du Bartail, juste ici. Et c'est de la très belle route qu'on n'a pas encore explorée. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal. Faut déjà qu'on arrive à faire la route de la mort. Le but de la vidéo est ici. Est-ce que sur cette remorque, je peux lever les roues ou pas? Non. Ok, donc je suis dans la merde. C'est-à-dire que je vais pouvoir régler les roues de mon camion, mais je vais pas pouvoir régler les roues de la remorque. Ça va être assez amusant. Aussi, les amis, je suis en automatique. Mais en automatique séquentielle. C'est-à-dire que je vais pouvoir switcher. Je vérifie, hein. Attendez. Je fais juste un test parce que j'ai pas encore testé. J'ai pas encore testé. Là, je suis en automatique. Et si je fais ça? Ok, donc là, je suis en séquentielle. Vous voyez, donc je peux choisir, voilà, de rétrograder ou pas. Et hop, je me remets en automatique. Donc ça va être vraiment le côté pratique. Parce que là, sur la route de la mort, voilà, j'ai hésité à me mettre en manuel. Le problème, c'est que manuel, c'est trop galère. Et en plus de ça, c'est un véhicule automatique, ça. Hein. C'est un véhicule automatique. Donc pour faire réaliste, eh bien, je propose le séquentiel. Par contre, là, je vais arracher la remorque. Non, c'est bon. Non, c'est bon, ça va aller. Attends. Ah, c'est bien ce que je me disais, il va me faire passer par la départementale. Non. Ok, tout va bien, on est reparti. Voilà, il a failli me faire prendre la route facile. Enfin, facile, ça reste un grand mot. On est parti donc. La route de la mort. J'ai bien fait d'avoir acheté un garage ici, mine de rien. C'est beaucoup plus pratique pour les déplacements rapides, etc. Hop là. Donc voilà, petit camion bien sympa. Là, il veut me faire passer à droite. Non, c'est interdit. On va suivre la route. J'ai jamais pris cette route là en plus. C'est assez rigolo. Je vois que sur le GPS le virage va être assez tendu. Alors on va se calmer, on va bien prendre large. Ok. Derrière ça passe carrément. Là, et alors là je m'en suis très très bien sorti les gars. Il faut vraiment bien prendre large. Oh là là, la galère. Bon, j'ai vraiment le bon camion adapté, mais la remorque n'est pas adaptée à la situation. Ok, on prend bien large. Oh là là là. Heureusement qu'il n'y a pas de voiture en face. Hein. Ok. Ça va, ça passe large. Ça passe large. Ah, en fait, l'essieu arrière est déjà baissé. Je peux pas le... Bah, il est déjà baissé, en fait. Ok, d'accord. Donc, je peux pas faire mieux. On est dans la merde. Même ce passage-là de la route, là, il est ultra simple. Hein. C'était quand même plus sympa avec le...
Avec le Ford, hein, si je puis me permettre. Oh, la belle vue. Là, voilà. Là, c'est la définition de la route de la mort. Vous allez voir, les amis, je vais vous épater. Je vais vous épater, ça va très très bien se passer. Là, je bombarde tant que je peux. Et encore, bombarder, c'est un grand mot. Je vous rassure, évidemment, le client est installé là, ils savent très bien, hein, donc la remorque, elle va un petit peu en prendre un coup, mais c'est tout à fait normal. Ça m'a fait peur, le message en bas à droite, alors que c'était tout à fait normal. Me refais pas ça, frérot. Je sais pas si je dois passer en séquentiel, en fait, là. Je vais faire confiance à l'automatique, de toute façon, c'est de la descente. Je vais faire confiance à l'automatique, mais là, voilà, il va falloir se calmer, quand même. Il va falloir se calmer. Mec, en fait, ça me tue, parce que là, il faut s'imaginer qu'à tout moment, il peut y avoir des véhicules en face. On sait que ça n'arrivera pas dans le jeu, mais dans la vraie vie, ça peut arriver, là, d'avoir des véhicules en face. Je sais pas comment tu fais, hein. Alors, en soi, le camion est prioritaire. Vu les circonstances. Mais si c'est un autre camion en face, vous voyez ce que je veux dire? Même une voiture, c'est chiant. S'il y a deux véhicules qui se rencontrent ici, c'est trop chiant, en fait. Il y a des endroits où tu peux te mettre sur le côté, c'est pas un problème. Là, pas trop, quoi. C'est ici que j'ai fait un accident avec le Ford. Le seul accident que j'ai eu, tiens. C'était ici en sens inverse, en roulant vite. Donc là, on va faire gaffe. C'est ça, c'est le terrain, en fait, qui fait de la merde. Donc là... Ok, oh lolo. C'est bon, on est passé. On est passé sans encombre. Je préviens que j'arrive en face, quoi. Ça se passe relativement bien pour le moment. Je sais pas où on en est au niveau de la route de la mort, si on est au milieu, si on est à la fin. Je trouve que ça passe relativement vite. Attends, là je suis peut-être un peu proche. Oh, ok, ça passe. Ça passe de ouf. Après, je pense que dans tous les cas, dans ce sens-là, ça reste toujours plus simple que dans l'autre sens. Parce que dans l'autre sens, ça monte. Donc il te faut de l'accélération, il faut bien doser la vitesse. En descente, t'es un petit peu plus tranquille. Et la première fois que je l'ai fait en camion, d'ailleurs la seule fois que je l'ai fait en camion, de toute façon, c'était la première fois, je connaissais pas la route. Donc je me suis fait avoir. Et donc j'étais pas du tout préparé. Alors que là, en vrai, je suis quand même préparé. Que ce soit mentalement, mais même aussi avec le véhicule. Le véhicule est quand même relativement adapté. Je sais plus comment j'y étais, mais quand j'y étais, c'était pas avec un camion et une remorque adéquate. Ça, c'est un fait. Ah oui, là, je crois qu'on va avoir une partie sous l'eau. Enfin, sous l'eau. Pas non plus un sous-marin, quoi. Mais voilà, la partie avec l'eau. On va faire gaffe. Pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Ça passe. Ça permet un petit peu, finalement, d'hydrater les poires qu'on transporte. Ouais, parce qu'il faut toujours qu'elles restent un petit peu mouillées. Donc voilà, comme ça, on est sûr que voilà, ça nettoie un petit peu les poires, finalement. Là par contre on va moins rigoler. Oh là j'ai enculé le pare-choc. Ok. Oh putain là à tout moment on se retourne. Là normalement la remorque elle nous aurait retourné un peu je pense, non? En vrai. Donc là ça y est, on est au milieu de la route de la mort, je m'en souviens très bien. On est au milieu de la route donc quand on va repasser sur l'autre côté ça va être je crois un petit peu plus le parcours du combattant. Ça va être terrible. On voit à l'intérieur de la remorque, il n'y avait pas de poire, hein. Allez, là c'est la partie où ça commence à être un petit peu terrible. Là on se prend tous les cailloux dans le pare-choc. On essaie de bien rester au milieu. Ok, personne en face. Là je suis arrivé beaucoup trop vite en réalité. Ça passe. Là à tout moment si t'as un petit coup de chaud tu peux aller te baigner dans l'eau quoi. C'est... y a pas de problème. Plutôt sympa, voilà. Bah là regarde, on va voir les pieds mouillés de toute façon. Dégâts de la semi 1%. Oh ça va, je viens seulement de faire un dégât là. Avec toute la route qu'on a déjà parcouru. C'est pas mal en vrai, hein. C'est pas mal, hein. Et on arrive à la fin, hein. On va arriver à la fin là. Vous voyez le point d'exclamation sur le GPS. Doucement. Et là on arrive. Faut pas s'enflammer, c'est pas fini, mais on arrive sur la fin. Là, on arrive sur la fin. On est sorti d'affaire, les gars. On est sorti d'affaire. On l'a fait, les amis. On l'a fait, regardez. On l'a fait, les gars. On l'a fait.
Je suis content qu'on l'ait faite parce que, bah voilà, je l'ai jamais faite intégralement en camion. Alors, à l'aller, je l'ai jamais faite, mais du coup, au retour, c'est fait. Au retour, c'est fait, donc c'est plutôt pas mal. Là, il a du mal en automatique. Moi aussi, j'ai du mal à parler, je bégaye. Et voilà, tout simplement. Les gars, on a officiellement fait la route de la mort. Et on s'en sort finalement avec 0% de dégâts sur le camion lui-même et 1% de dégâts sur la remorque. Ce qui représente absolument rien. On a toujours la même personne sur le bord de la plage là. Elle est perdue. Voilà, je suis persuadé que My Goodness n'a pas fait ça par hasard, si je puis me permettre. Je pense qu'il y a une blague derrière tout ça. Là, on est plutôt pas mal. On est même, je dirais, carrément carré. On fait chier les piétons, mais les voitures peuvent passer. Eh, je fais des manœuvres, mon pote. Ça y est, je commence à être plutôt bon. Non, voilà, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'attends une vague de GG dans les commentaires, évidemment. A très vite, c'était Mkolo. Je terminerai, évidemment, la livraison en off. Plein de bisous. Ciao, tout le monde!